Coucou, on se retrouve dans mon marathon des vidéos de ce dimanche matin. Je viens de vous faire l'ouverture de calendrier de l'Avent que j'avais en retard, puis l'ouverture du calendrier de l'Avent du jour. Et hier soir, j'ai vu que j'avais reçu la dégustable box. Donc je me mets dans ma pièce là pour l'ouvrir parce que je suis plus à l'aise en fait, je suis assise, je suis à mon bureau, j'ai ma table, tout ça. Et surtout que aux autres endroits, y en a qui dorment encore. Donc on va pas les déranger. voilà. Donc j'ouvre la boîte et puis on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors ce mois-ci, je n'ai pas du tout été spoil. Donc c'est bien. Parce que là, c'est une totale découverte. Des fois on est un peu. On voit passer des trucs. Bon, on se dit non, je regarde pas, mais c'est trop tard, on les a vus. Hein. Voilà. Donc, le thème. Oula. Il y a plein de choses. Le thème, c'est. C'est d'actualité. Fête de fin d'année. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. Des recettes. Noix de Saint-Jacques dorée et fondue de poireaux. Ça doit être très très bon. Crème vanille, cannelle et clémentine. Ça, je suis pas sûre. J'ai peur l'association cannelle et clémentine, mais bon, c'est pas grave. Polenta de floraline. Ah, la floraline, j'en donnais aux filles quand elles étaient petites. Vérine fraîcheur de floraline, rhubarbe et framboise. Ça doit pas être dégueu. Hein. Mini toast aux noix de pétoncle et mini croque à l'huile de truffe. Voilà, et les autres recettes ici et là. Voilà, des réducs, une réduc bonne maman, des parfums, une réduction à l'évier. Alors ça, c'était pas bon du tout. Je sais plus si c'était dans la dernière ou celle juste avant. Les noix de cajou au chocolat, j'avais une appréhension. C'était vraiment pas bon du tout. Et ça, c'est quoi? Sauce piment doux thaï, sauce piment sriracha, sauce piment sucré salé. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Les trucs qui arrachent, donc c'est pas trop mon truc. Bon, c'est pas grave. Moi, je fais pas genre je pioche parce que j'ai zioté hein, juste avant, j'ai vu plein de choses. Donc on va commencer par les chips de la marque Bretz, saveur confit d'oignon et vinaigre balsamique. Voilà. Ça, ce genre de produit chez nous, à peine ouvert, c'est déjà fini. Hein. On n'a même pas le temps de s'en rendre compte qu'on a déjà fini le paquet. Puis ça aussi d'ailleurs. Est-ce que vous voulez que je vous donne les prix? Allez. Alors. T'es où? Chips saveur. Alors il y avait gouda cumin ou confit d'oignon balsamique. C'est 1,49€ le paquet de chips. Voilà. Pour info. Des Mawam. J'en connais un qui va être content. Enfin, bon, il y en a 4 à la maison en fait qui vont être contents. Fruits et caramel. Ah, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Fruits, d'accord. Alors moi, il y a les saveurs genre comme le caramel, la vanille, le chocolat. C'est dans une catégorie de goût. Et après, les fruits. C'est plus frais, tout ça. Mais mélanger les deux. Ou encore, la banane, elle se marie, banane et pomme, ça se marie facilement avec vanille, chocolat, caramel et tout ça. Mais les autres, je sais pas ce qu'il y a dedans comme parfum, mais... Alors, il y a quoi? Fraise caramel, orange caramel, pomme caramel. Bon, on verra. Mais... On entend une porte, mais c'est pas de chez moi, c'est mes voisins. Bon, on verra. Ça doit pas être mauvais non plus. Hein. Donc les Mawam, 1,75€. Le nouveau strip fruit and caramel au goût dessert vous surprendra.
plaisir garanti grâce au savoureux mélange de fruits et de caramel. Saveur fraise caramel, orange caramel et pomme caramel. Lequel vous fera craquer? C'est marrant leur phrase comme ça. Oh, bah toi, je t'aime bien, toi. Il y en a combien dedans? On verra après, alors. Parce que je trouve, j'en ai vu une autre. Peut-être qu'il y en a encore une autre. Bref. Ça, les Malteser Render. Je crois qu'on avait déjà vu ça. C'est pas des nouveautés, ça. Chez Action, hein, ça fait plusieurs années qu'ils nous en mettent des Malteser comme ça. 3,99€. Moi, je trouve ça un peu cher. Voilà. Découvrez le petit renne Malteser. Toute l'onctuosité du chocolat au lait associée à la légèreté d'un cœur aéré au lait maltais. Sous une forme inédite, la gourmandise idéale à déguster au cœur de la saison hivernale à retrouver sur Amazon et dans les calendriers de l'Avent Célébration Roux en magasin. Donc en fait, ils nous mettent ça, mais si vous voulez les trouver, c'est que sur Amazon. Ok. Il n'y a pas de souci. Oh, des granolas. Nous, on aime bien les granolas. Ça, j'en avais déjà trouvé. J'en ai déjà acheté des granolas fins. Ça tombe bien, c'est au chocolat au lait. Parce qu'il existe au chocolat noir. Je crois que la boîte, elle est un peu bordeaux au lieu d'être bleue, là. Donc, les granolas, c'est 1,85€. Découvrez granola extra fin. Un biscuit deux fois plus fin que le biscuit granola original. Avec sa saveur chocolat au lait. Offrez-vous un petit plaisir tout en finesse, toujours avec du blé harmonie, avec un Y à la fin, de qualité et le bon goût du chocolat granola existe aussi au chocolat noir. Ok, ça c'est bon. Mais ça c'est bien aussi quand ils le font en petit paquet, il y en a 5-6 dedans, parce que comme ça on peut emmener ça au boulot, dans le sac et c'est pratique. Alors qu'un paquet comme ça, c'est plus un paquet à ouvrir à la maison, quoi. Ensuite, ça, bah ça c'est leur sauce. Sauce piment doux thaï. À tester. Voilà, faut pas dire j'aime pas avant de goûter, hein, voilà. Ça, à tester, c'est 2,59€, c'est de la marque IAM. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? IAM met le feu à tous vos plats avec sa nouvelle gamme de sauce piment. Alors, sriracha, piment doux thaï et sucré ou sucré salé. Il y en a pour tous les goûts. Un savoir-faire et des recettes asiatiques authentiques, mais de fabrication européenne dans un format ultra pratique. Une sauce par box, trois saveurs possibles. Nanana, ok. Donc, ça. On voit bien les petits piments là, hein, qui nagent dans la sauce. Ensuite, ceci. Nossa Energy. Açaï, guarana, gingembre. Ça me fait penser au petit shoot que quand j'avais vu Lucie. On s'était vu, puis on avait mangé quelque part. Et puis elle avait pris un petit shoot de fruits, mais il y avait du piment. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait. J'avais goûté moi juste une petite goutte. Ça m'avait arraché. Toute la trachée, mais c'était pas mauvais en fait, c'était fort mais c'était pas mauvais. Donc ça c'est 1,99€, mais je sais pas si dans le commerce ça se vend à l'unité ou s'il y en a 2, 3, 4. Des fois vous savez les packs comme les packs de coca et tout ça, ou de bière. Alors nos boissons à l'açaï vous promettent une expérience sensorielle et nutritionnelle unique. En plus d'être délicieuses, elles sont aussi bénéfiques pour la santé grâce à leur forte teneur en fibres. Ah, on va aller aux toilettes. Et macronutriments. Découvrez maintenant notre gamme de boissons disponibles dans votre Dégustabox. À déguster frais. Donc il faudra que je le mette au frigo. Évidemment. Donc là, nous avons de chez Elevir. La crème légère sans additif, ça a du mal à sortir, hein. On est le matin encore. Hein. Elevir, crème légère, Condé sur Vire, UHT. Envie d'une vraie crème normande qui allie plaisir et légèreté? Découvrez la crème légère Elevir, élaborée en Normandie, dans notre laiterie de Condé sur Vire. Le bon goût de crème allégée avec du lait. Sans aucun additif. Une crème idéale au quotidien pour réaliser des recettes savoureuses. Voilà. Et ça, ça coûte 2,45€. Ouais, je vous fais la lecture aujourd'hui. Voilà. Il y a encore des trucs, hein.
souvenir encore des trucs. Donc, bah, il y avait les recettes de Floraline. Donc, je me doutais bien qu'il allait y avoir un petit paquet de Floraline. Donc, la Floraline, c'est un paquet. Là, j'ai un paquet de 500 grammes. Normalement, il marque que ça se fait en 3 minutes. Et vous voyez, je vous dis que j'en faisais aux filles. Il y a marqué idéal pour les enfants. Voilà, c'est tout fin. C'est encore plus fin que la semoule. C'est tout fin, tout fin. Qu'est-ce qu'ils disent? Floraline est une recette unique et naturelle depuis 1932. C'est un savoureux mélange de 95% de semoule de blé dur et 5% de tapioca. Le tapioca apporte douceur et onctuosité à ce mélange. Elle peut être, utilisée en sucré ou en salé et elle est prête seulement en 3 minutes. Voilà, donc 2 euros. Le papier avec les recettes, il est où? Ben, il est où? Je suis en train de lire le truc et je dis le papier de recette, il est où? Hop, hop, hop. Ouais, la verrine fraîcheur là avec la Floraline, ça a l'air pas mal du tout là. Ça, là. Voilà. Mais l'autre aussi, hein, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais. Alors, il faut 6 cuillères à soupe de Floraline, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du beurre, un demi-litre de lait et un bouillon de légumes pour ceux qui souhaitent assaisonner la préparation. Bon, à tester. Bon, des fois je dis ça, mais les recettes, souvent je les fais jamais. Non, le papier, pourtant je le mets là-bas. Je le laisse là, j'ai pas fini ma lecture. Voilà, et ça tombe à pic, ça. Ils nous ont mis des petits mini toasts. Voilà, bah ça, on s'en sert bah, au réveillon, hein, souvent pour faire les petits toasts. Ouais, c'est des petits carrés comme ça. Alors, il marque que c'est 3 fois 20 mini toasts nature, saveur pistou. Ah, il y a 3. Ah, ok, d'accord, j'ai pas. Ah, bah oui. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous ai montré, mais vous avez peut-être pas fait attention. Il y a nature, certainement saveur pistou, puisque c'est le vert. Et l'autre, c'est céréales maltées. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais vous voyez, c'est un truc un peu noir comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le produit du mois. Donc oui, ça ne m'étonne pas, puisque c'est le produit typique pour faire les petits toasts du réveillon. Jacquet vous fait découvrir ces mini toasts créatifs. Parfait. Des pains moelleux et gourmands fabriqués en France et sans huile de palme. L'originalité de ces mini toasts, point d'interrogation. Un assortiment de 3 saveurs, autant couleurs, pour laisser cours à votre créativité lors de vos apéritifs de fin d'année. Ah ouais, voilà. Il y a des idées, ça va. Il y a des idées. Noix de pétoncle, à l'huile de truffe. Non, c'est pas trop notre truc. Nous, c'est plutôt un truc un peu plus simple. Vous voyez, celui-là, il est quand même hyper noir. Voilà, et celui-là, il est hyper simple. Voilà. Et je vous ai dit le prix, c'est 1,55. Ensuite, il reste deux. Enfin, il reste 3 produits, mais en fait, c'est 2. Voilà. Donc, il reste ça. Bizen. B-E-E. Bizen. parfum pêche. Voilà. C'est une canette de boisson. Ça doit être au miel. Bille, abeille. Une bizen achetée égale une abeille parrainée. Bon. Bah, je suis marraine d'une petite parraine. D'une petite parraine. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis marraine d'une petite parraine. Je suis marraine d'une petite abeille, bien sûr. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est 1,59. Alors, je ne sais pas non plus si ça s'achète à l'unité ou si ça s'achète en pack. Bizen à la pêche. Tisane glacée et pétillante à base de thé vert et de camomille. Parfum pêche. Bizen soutient avec amour les abeilles en finançant l'installation de ruches grâce à la vente de ses boissons. Bah, c'est plutôt pas mal ça, je trouve. Et les deux produits, je vous dis que en fait c'en est qu'un. C'est mignon comme tout, ça vous gratouille. C'est deux mini pots de confiture. Alors, framboise et pépinée. Ça doit être bon. Et l'autre, c'est figue violette à la cannelle. Je connais pas du tout. Des tout petits comme ça. Je trouve ça super mignon. Ça va me faire une belle petite photo Instagram, ça. J'ai envie de te lire. Voilà. Et la figue. On voit bien les petits pépins de figue et tout.
figue et cannelle, je sais pas du tout ce que ça peut apporter comme mélange de saveurs. Donc c'est la marque Bonne Maman. C'est 4,50€ le coffret de 5 saveurs normalement dans le commerce. Nous, ils nous en ont mis 2 pour qu'on teste. Mais normalement dans le commerce, c'est des petits coffrets de 5. Passez un délicieux moment de gourmandise avec les confitures Bonne Maman. Découvrez notre gamme exclusive de confitures et de douceurs disponibles sur notre boutique en ligne. Parfum unique et subtil préparé avec beaucoup de soin et de générosité pour satisfaire toutes les envies gourmandes. Alors, il y a 2 pots par box, donc j'en ai eu 2. 4 parfums possibles. Framboise et pépinée, c'est celle que j'ai eue. Ananas et fruits de la passion, bah heureusement que j'ai pas eu ça. Mangue, pêche et citron vert, bah heureusement que j'ai pas eu ça. Et figue verte, figue violette à la cannelle, pourquoi verte? J'ai vu citron vert juste avant, ouais. Figue violette à la cannelle, bah ça tombe bien parce que c'est les deux parfums que je... Si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi ces deux parfums-là. Et bah écoutez, moi, c'est, je trouve que c'est bien. Ils disent que c'est fête de fin d'année, bon... En toute franchise, fête de fin d'année, à part ça et les chocolats... Fête de fin d'année, pas trop, quoi. Enfin, ça, oui, ça, oui. Floraline, bah, ça serait plutôt box spécial enfant, je pense, ou je sais pas. Ça, bon, ça, c'est, ça passe partout. Ça aussi, ça passe partout. Bon, ça, on va dire éventuellement pour cuisiner pour les fêtes de fin d'année. Bon, admettons. Bon, ça, pour faire une jolie petite table au petit-déj du 25, pourquoi pas. Bon, ça, je trouve pas que ça fasse fête de fin d'année. Voilà. Ça, je trouve pas spécialement que ça fasse fête de fin d'année non plus. Ça, à la place de ça, je sais pas, ils auraient pu nous mettre, je sais pas, un petit paquet de truffes ou... Voilà. Pour que ça fasse fête de fin d'année. Bon, les chips, à la limite, pour mettre à l'apéro, pourquoi pas. Mais au lieu de nous mettre, je sais pas moi, ça et ça, peut-être nous mettre, vous savez, les petites rillettes de thon à tartiner ou les machins comme ça pour mettre sur les toasts. Enfin bon, je pense que ça aurait été plus adapté parce que, bon, fête de fin d'année, à part ça, franchement, qui a un emballage festif et qui fait fête de fin d'année, des fois, je vois pas trop leur thème. J'ai l'impression qu'ils balancent un thème pour la saison. Mais que c'est pas forcément adapté à tous les produits qu'il y a dans la box. Hein. Peut-être le thème, il est juste en rapport avec, avec le produit... ah bah mon truc, il est au fond. Moi. Avec le produit produit du mois, voilà, leur produit coup de cœur, ou je sais plus trop comment ils appellent ça. Donc voilà, voilà. Les réductions, les machins. Je remets tout dans mon carton parce que... Je sais que chez moi, ils aiment bien aussi découvrir la Dégustabox. Donc, si je range tout dans les placards, ils vont pas voir ce qu'il y a dedans. Et bah, je les comprends. Voilà. Donc, ils ont envie. Ils vont regarder ce qu'il y a dans la box Dégustabox. J'ai pas dit envoûté, hein, j'espère. Parce que des fois, je me trompe. Voilà. Donc, comme d'hab, je vous mets mon lien de parrainage. Vous allez avoir 5€ de réduction si ça vous intéresse. Et moi j'ai des points, voilà, je gagne des points quand les gens s'abonnent avec mon code de parrainage. Je ne sais plus ce que c'est, donc il doit être dans la barre d'infos. Je crois que je l'ai mis sous toutes les vidéos, vous savez, en commentaire permanent. Donc je crois que j'ai mes codes, j'ai mis mes codes. Je ne suis pas sûre à 100%, je vérifierai au moment de publier la vidéo. Voilà, voilà, en tout cas je ne sais pas parce que je ne vois pas qui s'est abonné, mais je sais qu'il y a eu des personnes qui ont dû s'abonner puisque grâce à ça, celle-ci par exemple, je ne l'ai pas payée ce mois-ci. Voilà, ça recommencera le mois d'après, je vais repayer mes box, mais là ce mois-ci je n'ai pas payé ma box puisque j'avais suffisamment de points pour me la faire envoyer et payer sans que j'aille de prélèvement. Donc c'est cool. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence, en ma compagnie plutôt. Et je vous fais des bisous, puis rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Dégustabox, puisque je vais rester abonnée quand même à la Dégustabox. J'aime bien le principe, j'aime bien l'idée. Peut-être que d'ici quelques mois, ça va me saouler et je vais arrêter. Hein. C'est possible, moi je suis pas très...
prévoyante, carrée et tout ça. Donc si un jour j'ai plus envie, bah j'arrête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain si vous suivez que mes box Dégustabox. Et je vous dis peut-être à demain ou après-demain si vous me suivez au quotidien. Bisous.